l'ange numéro 35, Chavakya. Il régit du 13 au 17 septembre. Il est l'ange de la réconciliation et de la famille et nous encourage à créer des relations familiales harmonieuses. Il permet de rapprocher les êtres et de renouer les liens affectifs qui ont été brisés ou oubliés. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Réconciliation. Relation familiale harmonieuse. Confiance. Aide et support familiaux. Conscience du sens sacré des liens familiaux. Capacité de faire émerger la sagesse ancestrale. Rapproche les êtres, renoue les liens. Science humaine et sociale. Aime la paix, médiateur, conciliateur. Loyauté récompensée. Service apprécié. Héritage, partage des biens, dons. Retour au paradis perdu. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Problèmes familiaux, disputes, querelles, désunions. Difficultés et discordes en lien avec l'héritage. Jalousie, envie, trahison. Attachement excessif, malsain, possessivité, essaye de contrôler les autres. Problème en lien avec des traditions familiales anciennes. Attachement au passé. Maintien de coutumes et de schémas de fonctionnement ancestraux et familiaux dépassés et injustes. Mariage forcé. Veut à tout prix plaire à la famille. Dépendance émotionnelle et matérielle. Absence de lien. Égoïsme. Procès injuste. Offense. Ruine. Bigoterie, esprit borné, sectarisme, racisme, nationalisme. Maladie
héréditaire. Problème humanitaire. Désorganisation et désordre sur le plan social. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Fidélité. Héritage. Parents. Querelle. Réconciliation. Renforcement des liens. Succession. Douce pensée angélique.